Bonjour, je m'appelle Eric Julien. Je viens vous présenter un projet au nom de l'association Tchendoukwa ici et ailleurs. Cette association a été créée en 1997 et depuis 22-23 ans, nous accompagnons ce que nous appelons les sociétés racines, archaïques, primitives, autochtones, à retrouver leur territoire, à préserver leur culture et à ouvrir un dialogue avec la société moderne pour essayer de décoloniser nos imaginaires et de trouver de nouvelles pistes, de nouvelles manières d'être et d'agir face aux grands enjeux de notre temps. Le projet que je vais vous présenter concerne la communauté des Indiens Wiwa. Ils vivent sur le sud du massif de la Sierra de Sainte-Marthe, au nord de la Colombie. Ils sont à peu près 12 000. Là aussi, comme toutes les sociétés amérindiennes autochtones, ils ont été repoussés dans les hautes terres, dans des petits recoins où la modernité n'est pas venue s'immiscer. Et depuis 2005, nous les aidons à récupérer des terres dans des zones plus basses pour qu'ils récupèrent leur village et qu'ils puissent se réinstaller dans des zones agricoles plus productives. Le projet concerne spécifiquement les jeunes Wiwa, un peu perdus entre l'histoire de leurs ancêtres, de leurs grands-parents réfugiés dans la montagne et la modernité, un peu perdus entre ces terres où ils ont grandi et ces terres qu'ils doivent récupérer. Donc il s'agit de financer des déplacements, du matériel, de la nourriture pour qu'ils fassent tout un travail de cartographie qui leur permette de se réapproprier le territoire sur un plan économique, comment on va recultiver, revaloriser cette terre, sur un plan culturel, les animaux, les arbres, comment soigner la terre et régénérer la forêt, et sur un plan spirituel pour qu'ils redeviennent indiens Wiwa sur un territoire Wiwa. Je peux vous dire qu'ils ont une forte envie de rester sur leur territoire. Merci d'avance pour eux.